et je trouvais que les intervenants étaient vraiment très intéressants. Du coup, c'était très passionné par ce qu'ils faisaient et ils donnaient envie d'y travailler au ministère. Et je venais pour des informations sur la diplomatie économique. C'est pour ça que j'ai ciblé une conférence à 15h. J'ai trouvé l'opportunité sur, grâce à cette journée de venir, de m'informer sur le service public en relation avec les entreprises. On m'a donné l'opportunité de jouer le rôle d'un ambassadeur de France. J'ai pu monter sur scène et déclamer un discours relativement improvisé devant les visiteurs du ministère des Affaires étrangères. C'est de la com' réussie, parce que c'est de la découverte de toutes les différentes facettes du ministère. Il y a plein de choses qui ont été présentées, on ne savait pas que ça existait. J'ai participé à la simulation des négociations multilatérales et européennes. On découvre vraiment comment ça se passe en réalité, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Les États-Unis, j'ai pas toutes les envies qu'on ait une révision tous les 5 ans. Et les gens s'impliquent énormément dans les mandats de négociation qu'ils reçoivent pour leur pays et ils se prennent très au sérieux pendant le temps de jeu. Je me voyais déjà négocier avec, je sais pas, peut-être mon homologue allemand ou britannique, etc. C'était vraiment génial. Rien à dire.